merde, c'est toi. Mais je savais pas que t'étais sorti. Ils appellent ça de la bonne conduite. 3 ans au lieu de 4, c'est toujours bon à prendre. Bon, je peux rentrer là, je te dérange pas? Ah bah bien sûr, voyons, tu plaisantes. Allez, rentre. Tu sais, ça me fait vraiment drôle de te voir. Hein. Tu bouffes avec moi? Ouais, c'est pas de refus. Paul. Je suis pas venu te voir, au revoir. Mais... Allez, ça va, laisse tomber. Mais tu nous sers l'apéro. Toi aussi. Non, attends. Je te jure que c'est vrai que ça a changé. En 3 ans, tu peux pas savoir comment ça change. Les filles, elles te courent après. C'est pas toi qui vas les draguer, c'est elles qui te draguent. Moi, je suis obligé de leur dire, allez, casse-toi, je me fais chier. Toi, tu leur dis, allez, casse-toi. Ben oui, ben moi, elles préfèrent que ça fasse à moi. Non, attends, non, non. C'est pas vrai. T'es même obligé, des fois, de leur dire, allez. Attends. Tu crois pas que t'en rajoutes un peu, là, quoi? Mais non, je te jure que c'est pas du fleur. Mais non, putain, je te jure sur la tête de mon gosse. Écoute-moi, cet été. J'ai fait la connaissance d'une rousse avec des soeurs, je te dis pas. Eh bien, j'ai passé une semaine à la niquer comme un clerc, tiens, si tu veux savoir. Non, c'est bon. Tiens, refais-moi un café, plutôt. Ouais, je vais te faire ça. Et dis-moi, au fait, là, ouais. Où c'est que tu crèches depuis que t'es sorti? Eh bien, écoute, j'ai trouvé un petit hôtel pas très loin. Ah ouais, où ça? Figuerolles. Petit hôtel pas cher, sympa, enfin bon. Ouais. C'est en attendant, quoi, tu vois bien. Attends, t'as besoin de blé? Non, attends. Non, arrête tes conneries, c'est bon. Ça me fait plaisir, Paul. Écoute, tiens. Allez, prends ça, ça dépanne toujours. Bon, tu sais, Paul, je suis pas venu te voir en prison, c'est vrai, mais j'ai pensé à toi. Alors, si je peux t'aider, tu me demandes. Tu me demandes, puis voilà. Ah, écoute, ça me touche, hein, ce que tu fais. Mais là, là, j'aurais besoin d'un calibre. T'as déjà trouvé du taf? Ah ouais. Enfin, un truc qui peut nous permettre de tenir 2-3 semaines, quoi. T'aurais ça pour moi? Ah oui, c'est possible. Il te faut ça pour quand? Écoute, je suis un peu pressé, là. C'est pour ça que je suis venu te voir. Bon, je te paierai quand j'aurai 3 sous, mais... Tu peux faire ça pour moi? Ah oui. Bon, ok. Je crois que je sais ce qu'il te faut. Je t'envoierai ça, merci. Non, c'est bon, laisse tomber. Si je peux t'aider à redémarrer, je le ferai. Tu veux une petite poire? Ah ouais, ça c'est pas de refus. Allez. Ah oui, ça arrache, comme tu dis. Ton business, là, c'est pour quand? C'est pour cette nuit. Ah ouais? T'as déjà... C'est pour ça que je te disais, je t'ai pressé. Et c'est quoi, au juste? Une vieille affaire qui traîne depuis 3 ans. Ah ouais? Eh ouais, oui. Il arrive un moment... Savoir régler les vieilles affaires. Tu crois pas, Henri? Non, mais tu déconnes, Paul. Mais qu'est-ce que tu me fais, là? Je viens de te le dire. Je règle les vieilles affaires. Resserre-toi un verre. On a tout le temps. Moi, ça fait 3 ans. Bon, je peux quelques minutes. Mais je pouvais pas faire autrement, Paul. Je te le jure sur la tête de mon gosse. Je voulais pas te balancer.
Mais c'est Delmas. Il est venu ici un matin et m'a bien fait comprendre que si je te balançais pas aux flics, eh bien, on allait me retrouver dans le fossé avec une balle dans la tête. Mais je pourrais pas faire autrement, Paul. Le problème, c'est que Delmas, il vient de crever d'un cancer. Alors là, tu vois, il ne reste plus que toi. Bon, écoute-moi, Paul. J'ai 27 000 euros ici, en petite coupure. Ça t'aidera à redémarrer. Allez, allez, prends-les. Enfin, Paul. €25 000, Paul. Je viens démarrer, Henri. Tu vois, demain, je vais rentrer chez moi. Je retourne au Portugal. Et je vais repartir comme quand je suis arrivé en France il y a 17 ans. Avec juste mon sac sous le bras et du courage plein les yeux. Alors garde-le, ton fric. La seule chose qui m'intéresse, c'est de savoir ce que je vais faire de toi. Tu vois pas? Moi, je me resserre, tu permets? Reste tranquille, Henri. Reste tranquille. Tu crois au hasard, Henri? Hein? Tu crois au hasard ou... Je crois que dans la vie, tout est écrit. Que tout ce qui doit arriver, arrive. Je sais pas. Bah t'as raison. Personne ne le sait. Alors on va laisser faire le sort. Toi et moi, on va jouer un petit jeu. Tu vas choisir une carte. Si tu tires la reine de cœur, je me lève et tu me revois plus jamais. Une chance sur 32, Henri. C'est pas beaucoup. Je sais. C'est déjà ça. Mais Paul, je t'ai dit que c'était Delmas. Je voulais pas te balancer. Il est venu ici. Il m'a menacé. Chut. Souviens-toi. Une reine. La reine de cœur. De chance, ouais. Non. T'arrêtes le cœur et je m'en vais. Thank you.
une journée dans ta tronche, Henri. Je te jure que si t'avais soulevé l'autre carte que la reine de cœur, je te crevais le ventre. Toi et moi, on va jouer un petit jeu. Tu vas tirer une carte. The rain's outside.